Bonsoir tout le monde, ici PH pour Stack.ca. Vous êtes présentement en direct pour le break numéro 2 d'une boîte 1920 série 1. Une hobby, bien sûr, une hobby box. Donc, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est en forme. On devrait vous sortir très belle carte de Young Gun, il y en a 6, ainsi que, souhaitons-le, quelque chose de plus et pourquoi pas agrémenter la soirée quelque peu. Alors, pour nos invités, juste vous faire un petit rappel, je suis PH, votre hôte, et j'essaierai de faire de ce break quelque chose de mémorable, même s'il s'agit d'un petit test. On apprécie énormément votre présence et votre participation, donc à tout le monde, merci beaucoup pour votre participation et vos commentaires qui seront les bienvenus après le break. Et soyez le plus indulgent, mais le plus honnête possible, s'il vous plaît. On tâche de s'améliorer le plus. Alors, un petit instant, vous rappelez que présentement, vous êtes en direct de votre plateforme préférée et le break sera composé de 31 équipes, donc 31 équipes qui seront tirées en association avec la plateforme de random.org pour vous attribuer une équipe selon les 31 équipes officielles de la Ligue nationale de hockey. Une seule boîte, ce sera une hobby, comme je vous ai dit un peu plus tôt, de série 1 1920. Et suivez notre plateforme de stack.ca pour de futurs breaks au courant des prochains jours. Je vous promets qu'on va vous gâter. Salut mon Jonathan! Hello, salut mon Max. Petite chose aussi que je ne veux pas oublier. Ben merci, c'est pas un chandail, c'est une chemise que j'ai depuis que j'ai environ 17 ans. Donc ça fait 18 ans, je suis majeur avec ma chemise. Salut mon Tommy. Oui, petit rappel, vous devriez recevoir, si ce n'est pas déjà le cas, précédemment le live, donc la diffusion en direct, un SMS ou un courriel qui devrait vous aviser du délai entre le début de votre diffusion. Salut mon Axe! Ah, j'ai pas été original là, dans mes invitations, vous avez tous le même prénom. Donc, également, à l'attribution des équipes, vous devriez recevoir un courriel ou un texto vous disant quelle équipe vous a été attribuée. Petite dernière chose, quand le break sera terminé, salut mon Hugues! Yes, mon Phil, la machine! Quand tout ça va être terminé, donc après ce break, vous allez recevoir vos cartes. On va vous les envoyer par la poste régulière, sauf si vous avez sélectionné l'option de Express Post ou la poste accélérée. Alors, théoriquement, ça devrait être dans les prochains jours, voire semaines. Et on vous invite à nous faire part de vos commentaires et améliorations. On est très contents de vous écouter. Il y a toujours place à mieux. Alors, êtes-vous prêts? Moi, je pense qu'on l'est. On pourrait probablement. Hein? On y va? Alors, voilà nos participants. Et que voyez-vous dans le coin inférieur gauche ou droite, dépendant de comment vous le regardez? Il y a 4 numéros qui ne sont pas comblés. Alors, que diriez-vous? Un petit coup de chance. Peut-être obtiendrez-vous un numéro au hasard. Et c'est ce que nous allons faire immédiatement. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance. Alors, il y aura le tirage pour ces 4 dénominations suivantes. Et par après, il y aura le brassage par random.org pour les équipes et les participants et participantes. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et tout de suite après, naturellement pour l'essentiel, nous allons ouvrir cette belle boîte de Hobby, série 1. Et c'est parti! Bonne chance à tout le monde! Alors, le premier tour, un petit brassage qui nous amène à 4 noms. Jesse Carré-Jean et Maxime, et j'ai pas vu le quatrième. Le deuxième tour, brassage, voilà. Et le brassage final, qui gagnera une place? Eh bien, c'est Hugues, Maxime, Christian et Alan, félicitations à vous quatre. Bravo. Et maintenant, c'est le tour du brassage des équipes. Alors, la même chose 3 fois pour les équipes. Et ensuite, il y aura 3 brassages aléatoires pour vous assigner l'équipe immédiatement. Alors, après un random, le deuxième random de Calgary à Philadelphie. Et le troisième.
Le troisième tour, alors les Kings et les Stars de haut en bas. Maintenant, les participants, participantes, 31 noms, c'est parti, une fois. On y va pour un deuxième tour. C'est parti, et le dernier va déterminer quelle équipe vous sera assignée. C'est maintenant fait, voilà. Alors, la finalisation, allons voir tout cela. Alors voilà, c'est fait. Je vous rappelle que vous pouvez toujours, en tout temps, aller consulter les résultats des tours de brassage sur le site de random.org. Le lien devrait vous être acheminé soit par texto ou courriel. Si ce n'est pas le cas, venez me voir, on va essayer d'arranger le problème, mais ça devrait fonctionner. Alors, petit tour très rapide. Les Ducks, Affil, Philippe, Boston pour François. Calgary pour Marco, Chicago, Tommy, Columbus à Jonathan, Détroit pour Allen, Floride à Christian, Minnesota à Réjean, les Islanders à Annie, Nashville pour Martin, Ottawa à Hugues, Pittsburgh à Nicolas, Saint-Louis pour Hugues, Toronto à Dominique, Vegas pour Kevin, nous avons Winnipeg pour Hugo, Arizona pour Christian, Buffalo à Francis, Caroline pour François, Colorado à Pascal, Dallas à Maxime. Maxime, oui, Maxime là, ça doit être là, hé. Ouais, merci beaucoup mon Max, merci. Et on continue pour terminer avec Edmonton à Jessica, Los Angeles pour Maxime Dufresne cette fois-ci, les Canadiens de Montréal à Michael, Dallaire, les Rangers à Allen, New Jersey à Maxime Gervais, félicitations, je te souhaite une belle Jack Hughes, Patrick pour Philadelphie, San Jose à Maxime Olivier, mon petit Maxo, salut. Tampa Bay à Maxime, Vancouver à Sylvain, et on termine avec Washington pour Mathieu, et je présume que c'est Mathieu Deschamps. Alors sans plus tarder, on y va à la présentation de notre boîte ici. Voilà, voilà, yes, bonne nouvelle, quelque chose fonctionne. Voilà, quelque chose qui ne fonctionnait pas plus tôt, et là, tout fonctionne, c'est parfait. Alors, allons-y avec notre belle boîte ici, que j'ai choisie spécifiquement, mais non, c'est pas vrai, c'est du pur hasard. Et j'ai remarqué que le hasard fait bien les choses, petit code numéro 33. Et je sais que parmi nous, il y a un fan de Patrick Roy. Alors, est-ce que ça te portera chance, ou portera chance à tout le monde? Ben, je vous le souhaite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser sur n'importe quelle plateforme. Je vous vois et je peux vous répondre. Alors, c'est parti pour ce petit break qui, j'espère, sera le premier d'une longue succession pour vous faire plaisir et vous offrir les meilleures opportunités. Alors, la rangée de droite... Voilà pour les 12 premiers, les 12 derniers ici de la colonne de gauche, boîte vide. Et on la montre à la caméra, je ne perds pas mes bonnes habitudes, boîte vide. Et qui dit boîte vide, dit que c'est le moment d'ouvrir des paquets. Juste avant, je tiens à vous montrer un petit quelque chose, et ce n'est pas ce que je sors ici. Voilà, je suis sûr qu'on va avoir des belles cartes ici. Alors juste avant... Vous avez peut-être un petit trouble de mémoire. Vous voulez savoir si vous avez votre équipe, est-ce que ça fonctionne? Et oui, voilà! À tout moment, vous voulez revoir les équipes. Et qui a quelle équipe? Faites-moi signe, je vous remontre ça. Et vous pourrez voir la liste complète. Peut-être voudriez-vous aussi savoir pour faire des échanges. Eh bien, n'hésitez pas. Alors, on va remasquer ça. Et que diriez-vous? Sans plus tarder, voilà, voilà! Le premier paquet. Et à nouveau, je vous souhaite la plus grande des chances à toutes et à tous. Et par tous, je ne veux pas dire c'est pas bon de tousser dans ces dernières semaines. C'est pas très bien vu en général. Alors, c'est parti pour Vancouver. Elias Pettersson. Gritty. Y a-tu Gritty? Ah, je suis pas sûr qu'il y a Gritty là-dedans. Puis Makar, mon Sylvain, je m'excuse, il est en série 2. Fait que malheureusement, il n'y aura pas de Kale Makar. Alors, première carte ici, Shooting Stars Blue. Helios Pettersson pour les Canucks. Les Canucks, comme je m'amuse toujours à le dire. Repeat ball de bowling. Merci mon Pat. Alors Patrick souhaite bonne chance.
à tous les participants et participantes. Il ne faut pas les oublier, les participantes, on les apprécie. C'est rare qu'on en a, mais on aime quand elles sont là. Tout le monde a le droit de s'intéresser aux cartes sportives. Thomas Chabot, Energy pour les sénateurs d'Ottawa. Sénateur d'Ottawa, Thomas Chabot, Energy. Kako aussi est en série 2. Monsieur Poutine, malheureusement. Ok, Queen Hughes. Ouais, ils sont pas dans la même équipe, Makar et Hughes. C'est sûr que tu peux être généreux et souhaiter une carte à une autre personne qui participe. Nous avons une canvas pour les Islanders de New York, Brock Nelson. Belle Brock Nelson canvas. Voilà, prochain paquet. Alors, Monsieur Poutine, Cody Glass non plus, je pense qu'il est aussi dans série 2. Ça va pas bien, hein? Mais ça se peut, je me trompe. Je pense que t'as raison. Non, je pense que t'as raison. Cody Glass devrait avoir sa Young Gun de mémoire. Première Young Gun. Ah, pas la bonne, mais c'est pour les Devils du New Jersey. Nathan Bastian. Young Gun pour les Devils. Voilà. Et voilà. Avec mes sleeves très étroites, il faut que je fasse très attention. Et c'est parti. Alors, Nathan Bastian, rendons là, toi. Et voilà. Prochain paquet. On y va. Nous avons une Portraits. Portraits de Taylor Hall. Monsieur, je change d'équipe à l'année pour les Devils. Portraits de Taylor Hall. Voilà. Ici. C'est-tu pas beau? Et on continue. Prochain paquet. Mystère. Il fut un temps où je me souvenais tout ce qui venait avec un nom dans les Young Guns. Et là, pour moi, c'est comme un mystère. Je m'en rappelais plus. Next Generation, Charlie McAvoy pour les Bruins de Boston. Charlie McAvoy. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne ici. Oh, Charlie McAvoy. Il est en feu. Charlie McAvoy, qui n'est plus avec les Bruins de mémoire, je crois. C'est-tu lui? Non, il est encore là, Charlie McAvoy. Je me suis trompé avec Tory Krug, qui est rendu, je pense, à Saint-Louis. Prochaine carte, Sébastien Aho pour les Hurricanes de la Caroline. Energy! Il est encore là? Ouais, c'est ça. J'ai pas mal réalisé après l'avoir dit que c'était Tory Krug. Oh, excusez-moi. Ma chaise roule. Prochain paquet. Et voilà. On continue avec une Young Gun de Cody Glass. On a la réponse à notre question pour les Golden Knights de Las Vegas. Cody Glass. J'espère qu'il porte pas bien son nom, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait en verre et qu'il ne se blesse pas. Ouais, c'est Dano Chara à Washington. C'est comme très étrange. Félicitations à Vegas. Et comme je le disais tout à l'heure, ben coudonc, qui a Vegas? Allons voir le detailed. Ah bien, le Vegas, c'est à Kevin. Mon Kevin, félicitations. Une belle Cody Glass, Young Gun. Et qui a-t-il après? Il va malheureusement juste pouvoir vous dire... Merci en différé, étant donné qu'il doit être à l'école présentement. Alors, mon Kev, félicitations. Hein, tu as bientôt terminé ton cours. Je te souhaite que de réussir et que ça t'apporte plein de bonheur. On continue avec le prochain PACA. Le prochain PACA qui est une canvas pour le Colorado. Gabriel Landeskog. Canvas Gabriel Landeskog. Pour l'Avalanche du Colorado.
on continue avec le prochain paquet. Qui est? Une Connor McDavid. Est-ce que je ne me trompe? Je ne me trompe pas. C'est bel et bien une Connor McDavid anniversaire. Donc la 30 de 30. Connor McDavid pour les Oilers d'Edmonton. Alors, insert 30e anniversaire pour les Oilers. Voilà. On continue. Facile de passer par-dessus une carte de la même année qui est une insert avec le même contour, mais sa base de mémoire n'était pas faite comme ça. Et une Portraits. Ensuite, une Portraits pour les Sénateurs d'Ottawa. Brady Tkachuk. Yuli Portraits. Brady Tkachuk. Prochain paquet. Notre 12e. 12e paquet. Puisque c'est le dernier de la pile de gauche. Alors, on continue avec une Young Gun d'Alexandre Texier, le français. Alexandre Texier pour les Jackets, les Blue Jackets de Columbus. Alors, Monsieur Texier vient ici. Voilà. Alors, Monsieur Texier pour Columbus. Voilà. Et que diriez-vous? On va faire un petit changement. Il est ainsi. Et on met Monsieur Taxi ici. Voilà. C'est fait. Prochain paquet. Oh, on a un jersey. On le sent au toucher. Alors, le jersey sera une... Ouh, rookie rétrospective pour les Blues de Saint-Louis, Robert Thomas. Rookie rétrospective, Robert Thomas, pour les Blues. Voilà. On va juste la mettre ici. On va mettre une petite sleeve de protection. Saviez-vous que le mot français pour une sleeve, ça, c'est une manche ou manchon? Ouais. C'est le mot. Manche ou manchon. Alors voilà Robert Thomas qui aura son top load, mais un peu plus tard. Puisque malheureusement, je n'ai pas emmené de 100. Je serai prêt pour le prochain break et le top load de grosseur 100 sera à ma disposition. Prochain paquet, nous avons une Energy pour les Sabres de Buffalo, Jack Eichel. En effet, ok, oui, c'est Muesli. Jack Eichel Energy pour les Sabres de Buffalo. On a quelques cartes un peu collées. Continue. Le prochain paquet, c'est une Young Gun Canvas. Ça a du bleu. Est-ce que c'est Monsieur Mikhaïev, Monsieur Engvall? Et c'est Monsieur Mikhaïev pour les Maple Leafs de Toronto. Il y a Mikhaïev pour Toronto, Young Gun Canvas. Et voilà. Elles sont vraiment étroites. Et voilà. Donc, top load ici pour la Young Gun Canvas de Toronto. Il y a Mikhaïev. Ah, ouais. Comme ça. Voilà. Et si vous voulez juste voir le dos, hein, la C111, il y a Mikhaïev. On peut même voir ses statistiques. Bravo. Très, très bien. Voilà. Pour Monsieur Mikhaïev. Et je vous rappelle qu'une Young Gun Canvas, ben, ça ne compte pas comme une Young Gun. Dans la boîte, c'est donc un extra. C'est subliminal, mon Patrick. Pour ceux qui l'ont pas vu, il a la traduction. Probablement que je suis sur mute, ou plutôt en sourdine. Et en sourdine, ça affiche les commentaires traduits. Et ça a l'air que quand je dis Columbus, ça écrit cannabis. Et nous avons une Young Gun Adam Fox pour les Rangers de New York. Donc, base. Adam Fox.
peux pas dire si c'est subliminal ou si c'est le fruit de ton imagination, mon Pat, mais si jamais c'est ton besoin, à toi de décider si tu veux l'assouvir. Young Gun de Adam Fox. Pour les Rangers de New York, Young Gun numéro 4. De notre boîte, il en reste donc deux. Je le sais en plus, c'est quoi que ça fait référence, mon Sylvain, mais j'ai oublié. What did the fox say? C'est dans quoi ça? J'ai vraiment un petit blanc de mémoire soudain. On continue avec ici. Une Portraits de Zach Senishin. Donc, Portraits Rookie. Pour les Bruins. Oui, pour les Bruins. De Boston, Zach Senishin. Voilà. Une très bonne chanson. Ah. Je comprends. On continue. Et nous avons ici une Kyle Connor. Kyle Connor, Next Generation pour les Jets de Winnipeg. Donc, Kyle Connor. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça me rappelle du moins quelque chose. Probablement pas été le plus grand fan de cette chanson, mais bon. Nous avons une Energy pour les Flames de Calgary. Matthew Tkachuk. Matthew Tkachuk pour les Flames. Prochain Packer. Nous y allons avec une Young Gun et sans plus tarder, Dominik Kubalik pour les Blackhawks de Chicago. Notre bonne Young Gun. Et cette fois-ci pour les Blackhawks. Une belle Kubalik. Dominik Kubalik. À chaque fois que je dis son nom, j'ai envie de dire Kubalibre. Alors, Dominik Kubalik, Young Gun. Très belle carte pour Chicago. On va remplacer M. Texi ici par M. Kubalik. Et voilà. Prochain paquet. En effet, c'est une très bonne boîte pour l'instant. Et la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est qu'il en reste une, au minimum. Ça, c'est si nous n'avons pas une autre version, bien sûr, comme une exclusive ou high gloss. Et peut-être clear cut. Donc, Canvas de Thomas Hertel. Fait bien son ménage, Monsieur Hertel, pour les Sharks de San Jose. Il aime ça propre, Monsieur Hertel. Alors, trois paquets. Dans les trois paquets, il y a certainement une autre Young Gun. J'en compte bien 3, 4 et 5. De mémoire, Adam Fox est là, oui. Alors, pour les Canadiens de Montréal, Patrick Roy. Une belle Patrick Roy. Avec les belles pattes blanches. Wow. Dominik Kubalik et Patrick Roy. C'est une insert pour commémorer le 30e anniversaire. Je crois qu'il y a McDavid, Roy, Gretzky et c'est tout. Il y en a 10 chacun. Prochain paca. Donc, une Portraits de Elias Pettersson. Elias Pettersson, Yuli Portraits pour Vancouver. Et notre dernier paquet. Ouais, il paraît. Il paraît que c'est un bon gardien. Du moins, c'est ce qu'on dit entre les branches. Et mystère. Et qui aura la dernière carte de ce break? Et Young Gun de Tobias Bjornfot. Tobias Bjornfot. Pour les Kings. De Los Angeles, défenseur Bjornfot. Et voilà. Tout doucement pour les Kings de Tobias.
Bjørnfot. Et voilà, Tobias Bjørnfot. Et voilà, 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 c'était la dernière carte avec les bases de fin de paquet. C'est le temps de faire un petit retour en arrière, voir qu'est-ce que nous avons eu d'intéressant et de meilleur pour tout le monde. Et je vous montre ça immédiatement. Donc, Robert Thomas, rookie rétrospective jersey pour les Blues de Saint-Louis, Young Gun pour Columbus, Alexandre Texier. Young Gun, Dominic Kubalik pour Chicago. Pour les Kings, Tobias Bjørnfot. Pour les Rangers, Adam Fox. Young Gun pour New Jersey, Nathan Bastian. Young Gun, Young Gun Canvas pour Toronto de Ilya Mikheyev. Et une belle Cody Glass, Young Gun pour les Knights de Las Vegas. À Las Vegas, ou comme le dirait Elvis Graton, à Las Vegas. Et voilà. Donc, c'est tout beau, c'est tout propre. Et bien sur ce, je vous remercie encore en grande partie pour votre collaboration, mais surtout pour les commentaires. Je vous invite à tout nous dire, tout ce que vous aimez et aimez moins. Si on peut, on va tout faire pour changer et apporter les modifications le plus tôt possible. Et en attendant, on espère que vous allez visiter le site de stack.ca et participer à tous nos prochains breaks qui seront mis en ligne très prochainement. On vous invite donc à suivre attentivement lorsque nous allons en mettre. Et probablement, je ne peux pas dire quand le moment juste, mais si tout va bien, on pourrait commencer dès, peut-être demain. Mystère, et suivez ça. Alors PH et Stack.ca vous remercient énormément et on vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Au revoir tout le monde!